Les tâches de la maison sont énormes. Soit tu prends une servante, soit tu me laisses faire. J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine des enfants. Ça fait longtemps que je fais ce métier. C'est bien la chemise que j'ai donnée à ton incapable de servante. Et regarde bien comment elle s'est réduite de moitié. Ça t'amuse? Tu sais qu'elle est encore nouvelle et qu'elle ne s'est pas encore bien habituée aux règles. Je suis toujours prêt à te défendre, mais en retour, jamais tu ne me montres ta reconnaissance. Je ne mélange pas le travail et le plaisir. Ce garçon, tout ce qu'il sait faire, c'est me poursuivre tous les jours dans la maison. Sale mec. Bonjour, monsieur. Voici Nkechi, notre nouvelle servante. Si tu voyais mon patron. Oh, il est comment? J'ai jamais vu un mec aussi beau de toute ma vie. Gâche pas cette belle opportunité que tu as. J'espère que tu n'as pas des sentiments envers ton patron. Tu rigoles ou quoi? Tu crois que je suis venue à Lagos pour regarder la mer? Tu me connais pas bien. Eh, c'est quoi ça? De quoi tu parles? Tu parles de ses habits, là? Je sais que tu prépares un plan avec tes petites pattes de poulet, là. C'est notre nouvelle femme de ménage. Waouh! Ne me dis pas que tu l'as pas encore. Quoi? Je n'ai pas confiance en cette femme de ménage. Y a rien qui prouve qu'on devrait s'alarmer. À l'aide, monsieur! Venez m'aider! Oh, madame, pardonnez-moi! Fais attention. On ne peut avoir confiance en personne. Depuis quand tu as le droit de laisser la cuisine et la chambre pour venir manger à table avec nous? Je fais partie de la famille maintenant.